Nouvelle semaine des formations sur Métropole. Bonsoir à vous, chers téléspectateurs. Bienvenue dans cette première édition de Métro News pour la semaine. Au sommaire de ce lundi, la crise haïtienne a été au centre des discussions à Kingston, en Jamaïque. Lors d'une réunion d'urgence organisée par la communauté des Caraïbes, la CARICOM, des diplomates de haut rang, dont Anthony Blinken, ont pris part à cette rencontre. Alors que la situation sécuritaire se dégrade en Haïti, plusieurs ambassades, dont celle des États-Unis, de l'Allemagne et du Japon, ont dû évacuer leur personnel non essentiel le week-end dernier. Parallèlement, des militaires américains sont déployés en Haïti afin de protéger l'ambassade américaine. Alors que les bandits continuent d'imposer leurs lois, le président du Salvador propose son aide à Haïti. Nayib Bukele se dit prêt à éradiquer les groupes criminels si les autorités haïtiennes le souhaitent et en financement de la communauté haïtienne. Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue au développement des titres de l'actualité. Comme annoncé, des hauts responsables de la CARICOM ont organisé une réunion en Jamaïque ce lundi, à laquelle ont participé des représentants de l'ONU, ainsi que le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. La communauté internationale a exprimé son soutien à une transition plus inclusive via un conseil présidentiel élargi. Anthony Blinken a réitéré l'engagement des États-Unis à soutenir la mission multinationale qui devrait être dirigée par le Kenya, en annonçant également un apport financier supplémentaire. We're here in Kingston today to listen to your ideas, but also to provide our concrete support for the way forward. And in particular, the joint proposal that was developed by CARICOM and all of the Haitian stakeholders to expedite a political transition. We support the plan to create a broad-based, inclusive, independent presidential college that would, in particular, first, take concrete steps to meet the immediate needs of the Haitian people. Second, enable the swift deployment of the multinational security support mission. And third, through that deployment, through a reinforced Haitian National Police, create the security conditions that are necessary to hold free and fair elections, to allow humanitarian assistance to get to people who need it, and to help put Haiti back on a path to economic opportunity and growth. Today's work that I'm also confident, along with my colleagues, is now sketching that path forward, is an opportunity to continue the work toward consensus on an enduring, inclusive, and representative transition. What we've seen in recent days, again, should remind us that the already challenging and difficult security situation is now deteriorated even further and makes the multinational support mission even more important than ever. The United Nations Security Council has reaffirmed that and reaffirmed a collective commitment to deploy it as quickly as possible. Given this increasingly urgent need, I'm announcing today that the United States Department of Defense is doubling its approved support for the mission from $100 million to $200 million. And that brings the total U.S. support to $300 million for this effort. I'm also announcing additional humanitarian assistance for the people of Haiti, $33 million to further support their health and food security. Now, all of us know that only the Haitian people can, only the Haitian people should determine their own future, not anyone else. But all of us here, CARICOM, the United States, our other partners, we can help. We can help restore a foundation of security that can address the tremendous suffering that innocent Haitians are experiencing and help create the conditions that will enable them to have that opportunity. Toujours concerné la crise, le chef de Petite Dessalines s'engage à mettre en place rapidement un gouvernement pour assurer la transition, quelle que soit la situation. Jean-Charles Moïse estime que la communauté internationale ne devrait pas imposer sa solution au peuple haïtien. Il insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas de se battre pour permettre à d'autres de profiter. L'ex-parlementaire révèle avoir discuté par visioconférence avec des responsables de la CARICOM ce lundi, lors d'une entrevue exclusive accordée à Métropole. De notre côté, le chef de gang notoire, Jimmy Cherizier, dit Barbecue, exprime la même position.
Arguant que c'était la population haïtienne de choisir ses dirigeants, il souligne que la coalition des gangs fraîchement créée, dénommée Vivre Ensemble, doit avoir son mot à dire de la mise en place d'un gouvernement de transition. Il menace de s'attaquer à des institutions hôtelières hébergeant des proches d'Ariel Henry. Moun nan kase popilè ou kap mouri gran kou, et se pa CARICOM ki ap viv soufrans pe Parisien. Jodi an, nou respekte tout partenariat ke gouvernement pase nou te gen ou te siyen avèk kikonk organizasyon li an. Men sepandan nou pati si moun oken moun. Nou son gran pèp, d'ayèr nou pren depandasyon an van ou paket moun la. Moun kap vin fè nou la moral jodi an, se nou te dwe ap dirije yo. E mba se moun son mal plase jodi apre yo kap vin deside. Nous pas reconnaître aucun gouvernement et que qui sorti nan ti complot chez ta fait en dans hôtel contre peuple haïtien. Moun qui va prendre pays en jeune sorti là, c'est peuple haïtien qui a décidé et c'est ensemble à vivre ensemble n'a décidé qui moun ka prendre pays. Donc on fait bataille sur nous prendre ensemble ça nan men nou pour nous gourmer et que pour nous libérer pays. Les pas en question de amnistie, ça pas important pour nous pas ça dans tête nous. Ça dans tête nous c'est chercher et côté directeur général lui. Chercher côté ministre et n'a pas réagi de façon violente parce qu'on fait violence sur nous, je veux dire, on fait légitime violence sur nous. Les membres du Conseil de l'ONU ont fermement condamné ce lundi la poursuite des activités criminelles déstabilisantes des bandes armées et souligné que la communauté internationale devrait redoubler les efforts qu'elle faisait pour fournir une aide humanitaire à la population et prêter appui à la police nationale d'Haïti, notamment la rendre apte à rétablir l'ordre public avec le concours de la mission multinationale d'appui à la sécurité. Ils ont condamné avec la plus grande fermeté les attaques menées par des bandes armées contre les principales prisons du pays et d'autres infrastructures critiques qui avaient permis à des chefs de bande et à d'autres prisonniers de s'évader. Ils se sont dit très inquiets des menaces de violence inacceptables proférées à l'encontre de la police et des membres du gouvernement. Autre nouvelle, des citoyens de la capitale ont exprimé leur inquiétude par rapport à l'avenir sociopolitique du pays. Ils estiment que la politique prend tout en otage car rien ne fonctionne. Les acteurs utilisent à des fins personnelles les conditions de vie précaires de la population pour asseoir leur stratégie politique. Selon eux, le pays ne bénéficiera rien des propositions de sortie de crise qui sont actuellement sur la table. Parallèlement, les activités sont toujours paralysées au niveau de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Les établissements scolaires sont fermés, les banques commerciales et le grand commerce fonctionnent au ralenti. Suivez ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis. C'est un centre-ville qui porte encore les séquelles des démonstrations violentes perpétrées par les groupes armés. Des business, des maisons habitables sont partis en fumée en quelques heures. Rue Cabonne, rue Saint-Honoré, rue Dissant. Ils ont boulé les machines devant Caille Saint-Rose-de-Lima, devant Passy-Nivette, ils ont crasé, ils ont tiré, devant Caille Pascal-Dou, ils ont tiré, devant Caille Emmanuel Théodore, ils ont parti devant Caille Emmanuel Théodore, non, mais tout de même, ils ont fait passage. Comment ça met de là, passer à l'âme, ils ont passé avec ZAM. Jusqu'à présent, le centre-ville est une zone déserte. Des habitants ont abandonné leur maison, des détonations sont entendues de temps en temps. Le centre-ville est livré à lui-même. Ce n'est pas bon, nous ne pouvons pas vivre. Fort de ce constat, cela fait environ 3 semaines depuis que la situation ne cesse de se détériorer. Chacun tente de se débrouiller comme il peut, mais rien ne peut empêcher les actes de violence, explique ce commerçant. Ou c'est un sou libre, ou libre à faire aller qui côté vle, ou aller qui côté vle. M'de non pays, mais kounya c'est pas non pays, m'a vu. C'est comme si c'est non savant, m'lage par un moun qui m'sen kodi. Les intérêts des Haïtiens n'ont jamais été une priorité pour quiconque désire atteindre le pouvoir. Chacun pour asseoir sa stratégie politique utilise les conditions de vie de la population et une fois atteint, il n'est plus question de peuple. Pour qui ça yo pas mettre tête yo ensemble yo chaque choisi yon moun et puis formé yon conseil et puis kounya tout bagay rezout mais yo chaque vle pour voyon gren yo chaque choisi un gren si gen 50
toutes 50 là bas opinion et rien pas passé. Chaque citoyen essaie de sauver son pain quotidien afin de subvenir aux besoins de sa famille en ce moment, mais dans les faits, tout va mal. Un peu partout dans la capitale, le carburant qui est en manque commence à se faire sentir. Les citoyens sont en train de chercher où trouver un peu de gasoline afin de faire fonctionner leur appareil, notamment leur véhicule. Mais ce qui surtout reste un mystère pour bon nombre d'entre eux, c'est la gasoline qui est disponible en quantité sur les trottoirs. Seul l'argent peut être un obstacle selon les constats, car il vous faut environ 1250 gourdes jusqu'à 1500 gourdes pour se procurer un galon de gasoline. Un autre aspect qui attire l'attention, ce sont les produits de première nécessité qui sont en manque. D'ailleurs, un peu partout dans la capitale, des citoyens s'en plaignent. Difficile de trouver du pain, difficile de trouver de l'eau potable, de la farine, du riz, du sucre. Et les quelques boutiques qui en ont encore ont augmenté les prix. Les citoyens qui sont amis de la politique, les citoyens qui écoutent souvent les nouvelles, ils se posent des questions, ils s'interrogent sur ce qui va se passer dans le pays, car jusqu'à présent, il y a des propositions de sortie de crise qui sont sur la table. La communauté internationale tente de trouver une solution par rapport à cette crise, mais jusqu'à maintenant, pour paraphraser la défunte Odette Roy-Fonbrun, Haïti, c'est un pays en lambeaux. Paul Léel et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. Alors que les bandits continuent d'imposer leurs lois, le président du Salvador promet son aide à Haïti. Nayib Bukele a assuré dans une publication sur son compte X hier dimanche à minuit 31 minutes. Qu'il pourrait remédier à la situation d'Haïti en réponse à une publication d'un influenceur sur la situation du pays où il a écrit « Haïti s'est effondré, nous pouvons y remédier, mais nous aurons besoin d'une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, du consentement du pays hôte et de couvrir toutes les dépenses de la mission », lit-on dans sa publication dans un contexte où le Kenya, qui s'est proposé pour mener la mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti, s'attarde à déployer ses policiers, car selon le président du pays africain, William Ruto, son pays n'attend que le financement promis, entre autres par les États-Unis d'Amérique. En réaction, le professeur Jean-Marie Théodat estime que les méthodes du président salvadorien ne sont pas adaptées à la réalité haïtienne. Selon le géographe, la formule de Nayib Bukele n'est pas compatible avec les règles de la démocratie et de l'état de droit que prône la communauté internationale en Haïti. Il est invité à la rubrique Le Point ce lundi. Eh bien, Bukele, bon manière radicale de résoudre la question, qui n'est pas du tout démocratique, qui n'est pas du tout républicaine, qui emprunte en fait aux manières des gangsters. Donc, je ne crois pas que nous sommes capables, nous-mêmes en Haïti, on peut y côté nous aspirer à une véritable justice sociale, côté nous aspirer à une équité républicaine, d'accord ? Je ne crois pas que nous sommes capables d'engouffrer nous comme ça dans une solution qui pourrait le faire en pile victime innocente, parce que je crois qu'il est toujours bon pour nous faire la justice confiance, il est toujours bon pour nous gagner des garde-fous par rapport à ce que pourrait être une violence d'État aveugle et sans pitié. Donc, moi-même, je ne suis pas être ça sans discernement. Je réfléchi à renforcer l'État haïtien, à renforcer l'État de droit, parce que la situation côté nous est là, je ne suis pas capable de mettre espoir nous dans une aide extérieure qui pourrait avoir des conséquences dramatiques. Et moi-même, sample en solution Bukelea, et qui apparemment baille des résultats au Salvador, c'est que, une, il ne correspond pas à la situation panouan en Haïti, et puis de deux, que il n'est pas attaqué à cause profonde du mal, de la maladie. Parce que ce n'est pas en éliminant barbecue que nous pouvons faire le banditisme disparaître en Haïti. C'est-à-dire que les causes profondes de la désagrégation de l'État, les causes profondes de la corruption des cadres, de la corruption de la justice, de la corruption des sénateurs, des députés, il y a même des premiers ministres qui sont indexés dans le trafic d'armes, de drogue et de personnes en Haïti. Bagasao, c'est pas en assassinant une ou deux personnes qu'on va le résoudre. C'est peut-être ça moi-même, moi, quoique
situation en Boukele, hein, la solution Boukele, c'est en solution d'aspirine contre la fièvre. Son solution Saridon, que lié, pour ne pas dire en solution Malachon, parce que les papes véritablement résoudre le problème-là en un an au Telchita. Mais cependant, moi-même, je crois que c'est l'occasion pour nous-mêmes en Haïti lancer en réflexion de fond, en réflexion dans zo, pour nous chercher le problème, pour nous reconnaître que le conseil de Bouddha Chiré qui prend la représentation nationale en otage et que Mounsao pas représenter personne autrement que leur clan et leur clique pour être capable de faire l'argent et que ni l'heure ni temps pour nous nettoyer les écuries d'Ojas, pour nous bailler pays des leaders qui gagnent même en figure et qui véritablement semblent avec l'histoire nationale. Non. Et ça, bah, que c'est Boukele qui a bien appris nous, dans un premier temps, ce qu'il nous faut, c'est renforcer la police haïtienne, lui donner les moyens d'exercer pleinement son métier, renforcer l'armée haïtienne pour contrôler nos ports et nos aéroports, c'est-à-dire que Haïti doit être un État avec un monopole de la violence légitime par un État central fort, au lieu que ce soit une dilution des responsabilités entre des mains de Bouddha Chiré, ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Autre information, à la demande du département d'État, l'armée américaine a mené une opération dans le but de renforcer la sécurité de l'ambassade des États-Unis à Port-au-Prince, permettre la poursuite des opérations de la mission diplomatique et faciliter le départ du personnel non essentiel. Selon un communiqué de l'ambassade américaine à Port-au-Prince, le transport aérien de ces personnes et depuis l'ambassade est conforme à notre pratique habituelle de renforcement de la sécurité de nos ambassades à travers le monde et aucun Haïtien n'était à bord de l'avion militaire. L'ambassade des États-Unis demeure concentrée sur l'avancement des efforts du gouvernement américain pour soutenir le peuple haïtien, incluant notamment la mobilisation de soutien à la police nationale d'Haïti, l'accélération du déploiement de la mission multinationale de soutien à la sécurité autorisée par les Nations Unies et l'accélération d'une transition pacifique du pouvoir par le biais d'élections libres et équitables. En parallèle, d'autres ambassades, y compris celles de l'Allemagne et du Japon, ont dû évacuer leur personnel non essentiel le week-end dernier. Et puis on termine la page nationale de Metro News en nécrologie. L'ancien ministre de la Justice, Paul Denis, est décédé ce lundi matin chez lui à Port-Salut, dans le département du Sud, à l'âge de 82 ans. Il semble qu'il soit mort des suites d'un malaise, selon les premiers éléments des formations. Ministre de la Justice entre 2009 et 2011, sous la présidence de René Préval, membre à l'origine du parti Unité, il avait créé en 2019 le parti Unifos, dont il était le leader. Paul Denis avait été entendu par le magistrat chargé d'instruire l'affaire de l'assassinat du président Jovenel Moïse en décembre 2023, mais son nom ne figure pas dans l'ordonnance du juge Walter Husserl-Voltaire rendue publique le mois suivant.